Alain, tu dors pas? T'es pas encore couché, là, t'es déjà levé. De toute manière, c'est pas sérieux. T'as jamais tant travaillé que depuis que t'es au chômage. Je crois que je suis incollable sur toute la période du Premier Empire. Tiens, pose-moi des questions au hasard. Dire que quand t'étais môme, c'était toute une histoire pour te faire réciter tes leçons. Comme tu vois, on change. À quelle date, Napoléon a-t-il signifié à Joséphine son intention de divorcer? Le 30 novembre 1809, au cours d'une scène émouvante qui se déroula aux Tuileries. Très bien, parfait. Non, une autre. J'ai vraiment autre chose à faire, tu sais. Quelle bataille Napoléon a-t-il remportée le 14 février 1814? 14 février 1814, bataille de Vauchamp, victoire sur Blücher. Épatant. Maintenant, tâche de fiancée. Je suis en retard, hein. En retard? Oh non, ma petite, pas du tout. À ce point-là, c'est plus du retard, c'est de l'absence illégale. Que dis-je, de la désertion? Pour une fois que je tombais sur un type qui dansait bien le tango, j'ai tout de même pas laissé passer l'occasion. C'est ça, on danse d'abord le tango, puis ensuite on va faire la java. Oh, je vous permets pas de dire des choses pareilles, madame, hein. Marcel est tout ce qu'il y a de plus convenable. Même qu'il m'a baisé la main quand on s'est quitté devant la porte. Un vrai gentleman. Aucun bon danseur de tango n'est convenable. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, Arlette. La preuve, c'est qu'il t'a baisé la main. Or, un homme bien élevé ne baisse jamais la main d'une demoiselle, surtout pas dans la rue. Deux fautes de savoir-vivre d'un coup. Tu parles d'un plouc, ton gentleman. Si vous le voyez, vous diriez pas ça. Je tiens pas du tout à le voir, hein, surtout pas ici. T'avises jamais Arlette de le rencontrer chez moi. Hein. Comme si c'était dans mes habitudes. Vraiment, pour qui me prenez-vous? Pour une idiote qui sera pigeonnée par le premier danseur de tambour venu. Tous les hommes sont des salauds. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Tous les hommes, les deux garçons du Il y a deux mois, si je t'avais laissé faire, tu partais avec cet accordéoniste. C'était un vibraphoniste. Oh, c'était surtout un beau salaud. Marié, père de famille de deux enfants, il s'était bien gardé de te le dire. Ah, si tu m'avais pas. Ah là là, si vous m'aviez pas. C'est vrai ça, Arlette. Si je t'avais pas, je me demande bien ce que je deviendrais. Avant, quand mes garçons étaient mômes, une journée passée sans que je m'en aperçoive. Maintenant,
Avec Alain, tu n'es jamais là, même quand il est là. Les gens qui passent des semaines entières sur les routes. Des semaines entières. Enfin, du moment qu'il aime ça. Tu veux un coup de main? Salut René. Ouh là là. Ah, ça tombe. Tu sais ce que c'est que la spécialité italienne? Non? Ben, c'est pas la pizza, c'est pas le risotto, c'est le clou. Les plus longs, les plus pointus. Et je suis sûr que l'usine où elle fabrique, elle est dans le coin. C'est la 12e fois que je passe ici, et c'est la 7e que je crève. Ouais, ben. Alors si un jour tu te fais construire une maison de campagne, ouais. Quand on arrivera à la charpente, tu demandes du clou italien, surtout du clou italien. Ouais, merci des conseils. Hein. Ouais. Où tu vas là? Oh ben, je remonte sur Paris. T'arrives d'où? Je remonte sur Paris, j'arrive sur Boulogne. Ah bon? Ouais. Bon ben merci. Bah, de rien, c'est un bruit. Salut. Hein. Oh merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, la route devant. Bon, Jean, il est sur le chemin du retour. Il sera sûrement là demain vers midi. Alors, tu me prépares un beau rôti de bœuf, hein, dans les 2 kilos, 2 kilos et demi, tout ce qu'il y a de plus tendre. Je compte sur toi. Oui, d'accord. Tout ce qu'il aura bouffé pendant 15 jours, c'est des kilomètres. Des kilomètres et des yaourts. Ah. Les yaourts, c'est la spécialité du coin. Ah ben, vous devez connaître ça, vous, les Balkans, monsieur le marquis. Oh, mais oui. Quand j'étais enfant, j'ai visité Tirana avec ma famille. Ah oui? Je me souviens de longues avenues bordées de cèdres immenses. Plus tard, je suis allé à Split, sur les bords de l'Adriatique. Il y avait un casino ravissant. Mmh. Vous parlez toujours des casinos, jamais des cathédrales. Alors, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui? Tiens, bah, celui-là. Il est beau. Ah hein? Oui, il est très beau. Ah, très, très, c'est vrai que très je l'ai gardé pour... J'en mettais. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Celui de vendredi, vous savez, a tenu pendant tout le week-end. Oh, ben ça me fait plaisir, ça. Oh non, non, je vous en fais cadeau. Ah non, je tiens absolument à régler. Faites-moi non, plaisir. Non, non, je vous en prie, sinon vous ne me verrez plus. Vous me faites de la peine. Bon, bon, soit. Ça fait un franc. C'est moi qui vous offre le café au tabac du coin. Sinon, je me fâche, hein? Ah. Maillard, tu surveilles. Oui, vite, fais pas de bille. Pronto? Je t'aime. Dis, tu te fous de moi ou quoi? J'en suis à mon troisième expresso. Il passe pour un moment. Et pour changer de cas, commander un verre de Chianti. Non, 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 je préfère t'attendre derrière la trattoria. Mais dépêche-toi. Je te promets, dès que je peux. Ti amo. Salut. J'ai attendu toute la nuit. J'étais coincé à la douane de Trieste. Je dormais dans le camion. Ce soir, Jean. Oh, Jean. Tu pourrais avoir une panne. Les bahuts chez l'armée, ils n'ont jamais de panne. Non, vraiment, c'est pas possible. Il faut que je rentre. Mais c'est pas une vie. Je sais. Un jour, je t'emmènerai chez moi. Tu dis ça pour me faire plaisir. Bientôt? Peut-être. Mais d'abord... Quoi? Quand je t'emmènerai en France, ça sera dans mon camion. Dans mon camion à moi. Tu seras la femme du patron. Je me fous du patron. Parce que c'est pas lui que j'aime, c'est toi. Ottavia, essaie de comprendre. Mais j'ai compris. C'est d'abord le camion, puis après c'est moi. Ottavia... Non, allez, je reprends le service. Ottavia... Non, la semaine prochaine, je n'ai plus le temps.
Alors rien. Sauf que si j'avais l'intention de partir à l'étranger, j'aurais déjà mon contrat en poche. J'ai encore fait deux boîtes aujourd'hui. La première cherchait un ingénieur pour le Canada, et la seconde un directeur technique pour le sud-est asiatique. Bah, si ça continue, tu vas finir par accepter de partir. Tu sais très bien que non. Ah, c'est vrai, tu veux pas quitter ta chère maman. Ah bon? Parce que toi, tu me suivrais. Bon, s'il le fallait vraiment. Attention, je vais te prendre au mot. Ah, puis non, t'as raison. Même pour toi, je laisserai pas tomber l'équipe. Demain, à Marseille, on doit gagner sans problème. Mais le 26 contre le PUC, c'est pas dans la poche. Quelle angoisse. Quelle heure est-il? Tu as le temps. Tu as tout ton temps. Mais tu es fou, jamais la veille d'un match. Tu n'as pas toujours dit ça? Eh oui, mais cette année, nous sommes en division nationale. Évidemment, ça change tout. Eh oui. Je me demande parfois pourquoi je t'aime. Tu m'aimes parce que t'es fier de lire mon nom de temps en temps dans les journaux sportifs. De me voir à la télé marquer des paniers. Tu m'aimes parce que je suis une grande fille toute simple, pas emmerdante pour deux sous. Tu m'aimes parce que je ne te pose aucun problème. Parce que depuis 2 ans, je couche avec toi sans que t'aies jamais eu à m'offrir le mariage. T'offrir. Tu crois sérieusement que ce serait un cadeau? Oh, mais vous êtes trop modeste, monsieur. Bien sûr que ce serait un cadeau s'il était fait de bon cœur. Mais tu tiens trop à ta liberté. Bon, puis je t'en veux pas, je tiens tout autant à la mienne. On se mariera le jour où tu laisseras tomber le basket, tu le sais très bien. Bah tu vois, justement, moi je raisonne différemment. Je me dis du jour où je serai mariée, je laisserai tomber le basket. Quand je me vois mal quittant chaque semaine le foyer conjugal pour aller jouer à la baballe en province. En somme, c'est à moi de faire le premier pas. Il me semble. Tu oublies une chose, Josette. Je suis au chômage. Et ce n'est pas avec ton salaire de standardiste qu'on pourra faire bouillir la marmite. Alors je n'ai rien dit. Après tout, je suis très heureuse comme ça. Je vois pas pourquoi je me complique l'existence. Moi non plus. Bon, dis donc, Alain, je crois qu'il est temps que tu me conduises à la gare. J'ai ni le droit ni l'envie d'imposer à mes gars des cadences pareilles. Non, non et non. Mais c'est pas une question de prix. Alors n'insistez pas. Hein? Au revoir, monsieur Fournier. Quel temps il est du côté de Safia? Le même qu'ici. Pas eu de problème? Non, monsieur Larmy, RAS. C'est marrant, avec toi, c'est toujours RAS. Bon, si vous êtes amateur de faits divers, j'ai changé de durite du côté de Badou et crevé un peu plus haut, je sais plus où. Consommation d'huile? Normal. Bon, eh ben, je suppose que t'as envie de piquer un petit roupillon. Bon, il aura le reste lundi. Ah, je t'ai signé un bon de caisse si t'as besoin d'argent pendant le week-end. Sylvette te le donnera. Merci, monsieur Larmier. Et on sait vrai ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que tu suivais des cours de formation continue à l'AFT. C'est exact. T'as envie d'obtenir ton attestation de capacité? Oui. Bon, eh ben tu l'auras. T'as toutes les qualités pour. T'es travailleur, t'es intelligent, t'as une bonne connaissance de la route, tu l'auras. Et après? Après, je verrai. T'as envie de t'établir à ton compte? On suit pas des cours par correspondance pendant 3 mois et demi, on passe pas un samedi sur 2 au centre technique de Montchy-Saint-Éloi sans avoir une petite idée derrière la tête. Surtout quand on s'appelle Jean Dupuis. Alors disons que j'ai une petite idée derrière la tête. Je peux la connaître. C'est un peu prématuré. Te fatigue pas, mon gars. J'ai rencontré à Louis, m'a dit l'autre jour que tu cherchais un camion isotherme d'occasion. Alors si vous savez tout ça, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Parce que t'as vraiment envie de t'établir à ton compte. Mais c'est pas défendu. Mais c'est pas défendu. Mais c'est risqué. Croyez pas que c'est un peu tôt? Un rôti de bœuf produit, c'est pas bon. À votre place, j'attendrai que Monsieur Jean soit arrivé. C'est vrai. Il a pu avoir une panne, du brouillard, des encombrements. Bon, ton menu est chaud, tu peux commencer à faire les frites. Moi, je vais mettre le couvert. C'est vrai que tu le connais pas depuis le temps. Il a dit que je serai à la maison vendredi à midi, il y sera. Quitte à poireauter devant la porte, il est un petit peu en avance.
Il entrera sans bruit, posera son sac, enlèvera ses chaussures. Ça, c'est quelque chose qu'il n'oublie jamais, Arlette, enfin, presque jamais. Il enlèvera son blouson, puis il poussera doucement, doucement la porte de la cuisine. Il entrera à pas de loup, respirera un bon coup, puis dira... Ça sent bon. Oh, mon Dieu, midi déjà. Je suis en retard. Eh oui. Ça va, fiston? Oui, ça va. Alain a toujours pas trouvé de boulot? Non, c'est pas faute d'en chercher. Tiens, passe-moi le vin. Tu sais, depuis quelque temps, il m'inquiète. Il est encore plus secret qu'avant. Je passe des journées entières sans desserrer les dents. Bah, tu sais, c'est pas gai de se retrouver chômeur après toutes les études qu'il a faites. Mais tout de même, il est bizarre. Figure-toi que la nuit, il étudie l'histoire de France. L'histoire de France? Si, si, je t'assure. Il a acheté des tas de bouquins sur Napoléon. Mais Napoléon l'a toujours intéressé. Enfin, je vois pas le rapport. À moins que ça serve de dérivatif à ses ennuis. Drôle de dérivatif. Tu préfères voyer qu'ils boivent, peut-être? Je préférerais pas, mais je trouvais ça plus logique. Et toi, tu lui as rien demandé? Si, mais tu le connais, il a aussitôt détourné la conversation. Tiens, Arlette, passe-moi un peu. Merci. Merci. Tiens, le voilà. Peut-être qu'avec toi, il se confiera plus facilement. Hein? Bonjour tout le monde. Salut, mec. Salut. Bien, maman. Bonjour, mon chéri. Arlette. Ça va? Excusez-moi d'être en retard, j'ai été retenu par mon nouveau patron. Monsieur Cholet, directeur général de la Française de Construction Mécanique. Un homme charmant. J'ai faim. Bah, disons, ça s'arrose, ça. Ah, bah, pour une fois. Oh, c'est bien. Arlette. Bravo. À la française. Ah, oui. Et tes amours? Elles sont à Marseille, pour jouer un match capital contre je ne sais plus quelle équipe. Je vois que tu mords toujours pas au basket. Oh, moi et le sport, tu sais. Il paraît que tu t'intéresses beaucoup à l'histoire en ce moment. En particulier à Napoléon. Tu m'as pas dit comment elle allait, ta petite italienne? Elle va très bien, je te remercie. On parlait de Napoléon. Eh ben, aux dernières nouvelles, il est... Oui, il est mort à Sainte-Hélène, voilà. Je sais. Ah, bonjour Albouy. Bonjour. Mon frère Alain. Santé. J'ai peut-être notre affaire, M. Dupuis. Ah bon? Oui, oui. Là. Bon, alors, il a 320 000 km. Pour l'instant, évidemment, il peut pas de mine, mais... Comme il est rentré hier matin, on n'a pas encore eu le temps de lui faire sa toilette. Tu vois le moteur? Oui. Et voilà, c'est un bon véhicule, hein, très très bien entretenu. Oui, je vois ça. Oh, bah, de toute façon, on effectuera une révision complète. Il vaut combien? Je peux pas vous le dire encore, ça dépendra des travaux qu'on aura effectués dessus. Je sais pas, disons entre 85 et 90 000 francs, peut-être. Ah, quand même. Oh, il a jamais été accidenté, ça vous pouvez être sûr. Permettez? Ah, bien sûr. Alors, on fait un petit essai? Oui. Tu vois déjà, hein? À ta place, je réfléchirai à deux fois avant d'acheter ce tas de ferraille. Il est très bien, ce camion. 320 000 bornes. Et alors, le moulin, il est parfait. T'as vraiment pas l'oreille musicale. Avec 50 000 francs de mieux, tu pourrais t'en acheter un neuf. Ouais, avec du crédit, c'est possible. Enfin, moi, j'ai pas 50 000 francs de mieux. Je pourrais peut-être te les donner dans 15 jours. Tu plaisantes ou quoi? Je parle sérieusement, Jean. Alors dis-moi, toi qui es au chômage, où tu vas trouver cet argent? Je te signale que je ne suis plus au chômage depuis ce matin. Bon, bah d'accord, mais en fait, t'es quand même resté 3 mois au chômage. Et c'est pas avec ce que tu gagnais dans ta dernière boîte que t'as pu mettre 5 mètres de côté. Je t'ai dit que j'aurais cet argent dans 15 jours, mais j'ai ajouté peut-être. Et évidemment, tu veux rien me dire. Si. Dis à Albouy qu'il va réfléchir pour son camion. Et s'il le vend entre-temps? Ah, il t'en trouvera un autre, ne t'en fais pas. Oui, ça c'est toi qui le dis, hein. Ahmed descend, dribble deux adversaires, fait une splendide passe à Josette Cartier, sa partenaire démarquée, qui tire au panier et marque un 34e point pour l'équipe parisienne. Ben voilà, tu me sauves. Attends, je ne vais pas rentrer aux Aurores, il y a marché demain matin. Je vais juste au cinéma. Avec Marcel? Mais qui ça me plaît? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu comment elle me parle? Apparemment, ces écarts de langage ne choquent que moi. Il y a des moments où je me sens plus près de la reine d'Angleterre et du chat d'Iran que de mes enfants.
38 à 34, c'est vous dire que la partie est toujours serrée. Bon, ben, je vais me coucher. Je me lève tôt demain matin, c'est mon dernier jour à Mouchy-Saint-Éloi. Bonsoir, moi. Disons, tu peux me passer ta caisse demain? Les clés sont dans la poche droite de ma veste à l'entrée. Merci. Bonne 46 nuit. À 38. Cette fois, plus rien ne semble arrêter l'élan des Parisiennes qui viennent de marquer 12 points en quelques minutes grâce à l'habileté et au dynamisme. Vraiment, le sport t'intéresse tant que ça? Moi, pas du tout. Mais je préfère voir la pièce de terre. Laissez-moi vous serrer dans mes bras, Elvire. Laissez-moi écouter les battements de votre cœur. Non, Maximilien. Non. Ce serait un péché. Notre amour est maudit. Bon, bonne nuit, maman. Je suis fiancée au prince. Évidemment, ça parle d'amour, alors ça t'intéresse pas. Je vais tuer le prince, s'il le faut. Oh non. Par pitié. Gérard Christophe Michel Duroc, duc de Frioul, aide de camp de Bonaparte en Égypte. Aide de camp de Bonaparte en Italie, a suivi son chef en Égypte et participé au coup d'État de Brumaire. Oui? Je vous dérange, hein, monsieur Alain? Non, pas vraiment. J'ai encore un service à vous demander. S'il vous plaît. Arlette. C'est la dernière fois, je vous le promets. Vous pouvez pas refuser, monsieur Alain, vous pouvez pas. Monsieur le marquis! Monsieur le marquis! En plein des façons, monsieur le marquis! Allons-y, madame, se reste à la carotte. Vous êtes bien fiers ce matin, qu'est-ce qui vous arrive? Moi qui vous avais gardé le plus bel œillet de mon éventaire, non, regardez. Je vous en prie, madame Rose, pas ce matin. Allez, allez, pas de façon, laissez-vous faire. Non, c'est un luxe que je ne puis plus me permettre. Alors je... Les fleurs n'ont jamais été un luxe, non, monsieur le marquis. Je vous en prie, madame Rose, reprenez cet œillet. Mais non, il n'est pas question, allez. Si vous ne pouvez pas me payer aujourd'hui, vous paierez la semaine prochaine, hein? Je peux bien faire crédit à un vieux client comme vous. Allez, n'en parlons plus, on va boire un petit café au tabac. Non, sans façon, madame Rose. Oh, vous avez juré de me faire devenir chèvre aujourd'hui. Hé, Maillard, tu surveilles. Mais. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement à votre Marcel? Ben, qu'hier, il s'est vraiment conduit comme un dégoûtant, que je suis pas celle qu'il imagine. Que... Oui, bon, alors... Mais votre attitude inqualifiable d'hier soir m'a prouvé que vos bons sentiments n'étaient qu'une façade derrière laquelle se dissimulaient les plus bas instincts. Et Toc, ça s'est envoyé. Relisez-moi une fois. Mais votre attitude inqualifiable d'hier soir m'a prouvé que vos bons sentiments n'étaient qu'une façade derrière laquelle se dissimulaient les plus bas instincts. Maintenant, vous pourriez peut-être conclure. Oui. Vous tenez à rompre définitivement? Et comment? Bon, alors je vous propose, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mon plus profond mépris. C'est peut-être un peu dur. Oh. C'est le mépris qui me gêne. Vous auriez pas un autre mot? Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations. Le mépris est contenu dans la formule sans être exprimé. Voilà, très bien. S'il écarte ton lui, dis-le tout de suite. Excuse-moi, c'est à moi de jouer? Bah, il me semble. Belote. Oh, pauvre Jean, t'es ratiboisé. Oh, belote. Maître, quel costume lundi? Le gris. C'est pas le plus élégant. J'ai été engagé comme ingénieur, pas comme mannequin. Je vais quand même vous repasser le marron. Vous ferez meilleure impression avec. Un samedi soir, t'es pas au bal? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un lumbago. Un lumbago? Mon œil, oui. Enfin, tant qu'elle n'aura pas rencontré l'homme de sa vie, elle restera demoiselle. Et tant qu'elle restera demoiselle, je la garderai. On en fait une autre? Non. Qu'est-ce que t'as ce soir? Rien. Quand le capitaine faisait cette tête, l'orage n'était pas loin. Je ne suis pas le capitaine. C'est sa réplique exacte. Je parle du caractère. Aussi cabochard, aussi râleur, aussi enjôleur quand ça te chante. Apparemment, ça te chante de moins en moins souvent. Le capitaine, lui. Il y a longtemps que nous n'avions pas parlé du capitaine. Bah bien sûr, toi, tu préfères le petit caporal. Ah, il a une carrière militaire plus brillante. Votre père est mort en combattant. Napoléon dans son lit, alors un peu de respect et de décence. Excuse-moi, je ne voulais pas attenter à sa mémoire. Oui. Ah, monsieur Larmier. Bonsoir, ne quittez pas, je vous le passe. Tiens, c'est pour toi. Allô, oui. Bonsoir, oui. Non, pas du tout. Ah bon? Bon, ben d'accord, lundi matin à 6h. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur Larmier. Van der Waal s'est déboîté le genou en jouant au football.
lundi matin pour Athènes. Athènes? Vénard. Ouais, tu parles Athènes, c'est pas Byzance. Hein. Monsieur Dupuis, je veux que vous vous occupiez tout d'abord de ce dossier, en vous intéressant particulièrement aux problèmes de stabilité. Ah, et voici Madame Maréchal. Elle vous servira de secrétaire et elle vous mettra au courant des affaires du service. Madame Maréchal, je vous présente Monsieur Dupuis. Merci. Madame. Voyez mes fleurs, elles sont belles, elles sont pas chères. Deux bottes de marguerite pour 5 francs, approchez-vous. Approchez, approchez. Une pareille chose se renouvelle, Madame Rose, et vous n'existerez plus pour moi. Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur le Marquis? On n'a jamais offensé de cette sorte. Offensé? Osez faire le mot, nos marquis Aurélien et vous de la Plessardière. Mais je comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai trouvé ce billet dans la poche de mon veston samedi soir. Qui l'a placé, sinon vous? Ah, je vous donne ma parole d'honneur que c'est pas moi. Vous m'avez emmené prendre un café au tabac. Oui. Pendant que nous bavardions sur la blanquette, vous avez dû glisser ce billet. Je vous assure que c'est pas moi. Alors d'où vient-il, ce billet? J'en sais rien. Très bien. Vous pouvez le porter au commissariat de police. Ah non, non, non. Non, non, je vous en prie, ne faites pas ça, monsieur le marquis. Ah. Vous êtes trahi, madame. C'était un prêt. Je vous voyais tellement dans l'embarras. Je vous demande pardon, monsieur le marquis. Bien. Voyons ma boutonnière à présent. Celle-là. Elle vous plaît? Très jolie. Permettez. Voilà. Merci, monsieur le marquis. C'est moi qui vous remercie, madame Rose. Ah bon, quoi. C'est quoi la française de construction mécanique? Des ateliers, des bureaux, des gens. Et qu'est-ce que ça fabrique? Des grues, des ponts roulants, des charpentes d'usine. Et toi, dans tout ça? Je vérifie des calculs, je corrige des épures. Non, continue, je crois que je me suis froissé un muscle le vendredi à l'entraînement. Ah. En somme, t'es plutôt content? De te masser? Mais non, idiot, d'avoir trouvé cet emploi. Je ne sais pas encore. Ah, non, ah. Oh, tu n'as aucun match demain. C'est non, quand même. Ah. Toi, t'en as pas un peu marre de faire l'amour à la sauvette? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais combien de nuits? De nuits entières avons-nous passé ensemble? Tu sais pas. Bah, moi, si. 14. 14 en 2 ans. Moi, je veux me réveiller chaque matin dans tes bras, tu comprends? Le soir, à 7 heures, quand tu me quittes à toute allure pour aller dîner, tu me laisses 2 fois plus seule que je l'étais avant que t'arrives. Je peux plus supporter cette vie-là. On se mariera bientôt, je te le promets. Mais qu'on se marie ou non, je m'en fous. Ce qui compte, c'est de t'avoir près de moi la nuit. Mais ta mère est une mère, elle sait bien qu'un jour tu la quitteras, que tu feras ta vie ailleurs. Elle ne veut pas le savoir. Alors c'est un monstre. Mais non. Elle avait 22 ans quand notre père est mort. 22 ans, est-ce que tu réalises? Elle commençait sa vie sans un rond, avec 2 enfants en bas âge. Pas un seul jour, elle nous a confié à la garde de quelqu'un. Pas une seule nuit. Elle nous a tout sacrifié, Josette. Tout. Elle a trimé comme une bête. Elle ne s'est offert aucune joie, à part celle de nous voir grandir. C'est bien ce que je disais, c'est un monstre. Un monstre sublime, admirable, mais un monstre quand même. Et moi, je suis la reine des pommes. Il est quelle heure? 5 heures. 5 heures. Il faut que je file. Je te reverrai quand? Vendredi, en revenant d'Athènes. Tu resteras un peu? J'essaierai. Dis-moi, il est joli ton village? Pas très, non. Non? C'est plutôt une banlieue à 25 km de Paris. Avec des fermes, mais aussi des immeubles de 12 étages. Et ta maison? C'est une grande vieille maison, avec du terrain tout autour, pour cultiver les fleurs. C'est le domaine de ma mère, Mama Rosa. Mama Rosa? Oui. Tu crois que je lui plairais? Faudra bien. À ce soir. À ce soir, mon chéri. En fait, je rentrerai tard. Qu'est-ce que t'appelles tard? Oh, je ne sais pas, vers 10 heures. Enfin, ne m'attendez pas pour dîner. Bon.
peux être sûr qu'il y a une femme là-dessous. Ce soir et pour une semaine, un nouveau candidat à notre jeu en chair et en hausse. Il s'agit de monsieur... Alain Dupuis. Où demeurez-vous, monsieur Dupuis ? À Sainte-Blaise-les-Bois. Quelle est votre profession ? Ingénieur. Vous connaissez bien sûr le principe de notre jeu. Vous avez à tout instant le choix entre des questions à 100 francs, 500 francs, 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Vous avez choisi d'être interrogé en histoire de France sur la période du Premier Empire. C'est pour ça qu'il passait ses nuits à étudier l'histoire de France. T'étais au courant, toi ? Ça veut dire que monsieur Alain ne dit jamais rien. Alors, nous commençons par une question à combien ? À 1000 francs. Attention, monsieur Dupuis, cette question vaut 1000 francs. Napoléon avait des manières assez brusques avec les femmes. C'est ainsi qu'un soir, s'entretenant avec la duchesse de Fleury, revenue d'émigration, et qu'il savait de mœurs légères, il lui demanda « Eh bien, madame, aimez-vous toujours autant les hommes ?» Monsieur Dupuis, pour 1000 francs, que répondit la duchesse de Fleury à l'empereur ? « Mais oui, sire, j'aime toujours autant les hommes quand ils sont polis. » Monsieur Dupuis, le signal sonore vous l'annonce, réponse exacte, 1000 francs s'inscrivent à votre compte. 8500 francs en 15 minutes au tarif horaire, c'est pas mal du tout. Et ce n'est qu'un début. Quel cachotier tout de même. Pourquoi m'avoir rien dit avant ce soir ? J'avais peur de ne pas être sélectionné, puis je voulais te faire une surprise. Tout cet argent que tu vas gagner. Oh, c'est pas encore fait. Tout cet argent. Ce sera pour nous installer. Je vais rentrer. Il faut que je révise pour demain soir. Je rentre. C'est la première fois que vous participez à des jeux télévisés ? Oui. L'idée vous en est venue comment ? J'étais au chômage, j'avais le cafard. Il fallait absolument que je m'occupe l'esprit. Alors je me suis replongé dans mon histoire de France. Et puis un soir à la télé, j'ai entendu dire qu'ils cherchaient des candidats pour en chair et en os. Alors je me suis inscrit. J'espère de tout cœur que vous triompherez. Merci. En tout cas, je vais trembler pour vous chaque soir de cette semaine. Je me faisais un sans dangle pour Jean qui est toute l'année sur les routes. Oh, je te comprends. À présent, c'est Alain qui risque de me rendre cardiaque. Oh, vivement samedi, je tiendrai pas un jour de plus. Tiens, à propos de samedi, tu me mettras de côté un beau gigot d'agneau, hein? Nous vous retrouverons donc demain pour la quatrième fois, monsieur Dupuis, et j'espère que tout se passera aussi bien que ce soir. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que la somme de 22 000 francs est inscrite à votre crédit. Chers amis, à demain, nous vous souhaitons une très bonne soirée. On m'a encore collé un fauteuil bancal. Je vous préviens, si je le lève demain, je fais un scandale à la direction. Quel poil, mon Dieu, quel poil de... Merci, messieurs. C'était sublime, une fois de plus. Oh, mais demain et après-demain, sois prudent. Ne prends que des questions faciles, des questions à 100 francs. Oh, l'essentiel, c'est de ne pas perdre les 22 000 que tu as déjà gagnés. Tu te rends compte tout ce qu'on pourra faire avec 22 000 francs ? Écoute, Josette... Non, c'est toi qui vas m'écouter. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme dit le proverbe. Alors, je t'en supplie, pense à nous. Si je gagne, l'argent sera pour mon frère. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il en a besoin pour s'acheter un camion. Bah, et nous alors, on n'en a peut-être pas besoin ? Ah bon, ça va, j'ai compris. Mais tu n'as rien compris du tout. Mais si... Madame Rose peut être fière de ses fils, ils sont exactement à son image. Non, Alain, c'est fini. Laisse-moi. Retourne auprès de ta mère, auprès de ton frère. Ta place est parmi eux. Allons, ne sois pas ridicule. Ridicule, je l'ai été pendant 2 ans. Mais je ne serai pas une seconde de plus. Alors je t'en prie, quittons-nous tout de suite, très vite. Sans discours et sans éclat. Ah, je t'en prie, Alain, c'est la dernière chose que je te demande. Bon, laisse-moi d'entrer accompagner. Mais à quoi bon? Je te dirai des choses désagréables en chemin. Allez, salut, Alain. On fait des enfants, monsieur le marquis. On les élève et on les connaît pas. Tenez, Alain, mon cadet. Je le découvre depuis 3 jours seulement, grâce à la télévision. Parce qu'elle me le montre en gros plan. Dans la vie, les gens, on les voit jamais en gros plan. On distingue pas les traits de leur visage, les plis minuscules, les lueurs dans les yeux, ben, toutes ces choses qui forment leur vraie personnalité. Mon Alain, un gros plan, c'est un autre Alain. Je me lasse pas de le contempler. Je voudrais que l'émission ne s'arrête pas. C'est idiot ce que je vais vous dire, mais... À présent, je le comprends mieux. Avant, ces silences m'irritaient. Je le trouvais trop renfermé, trop secret. C'est que je ne savais pas lire dans son regard. Maintenant, je sais.
C'est merveilleux, la télévision, vous ne trouvez pas? Vous l'avez chez vous? Non, madame Rose. Et je n'ai pas non plus de fils. Tiens, voilà Dupuis. On avance. Salut. Salut. Un espresso? Je me suis arrangée avec Felice, elle vient me remplacer à 9h. Signorina, Anuario du Telefono, s'il vous plaît. Fatalitas. Ah, Dupuis. Ça, par exemple. Tu fais l'international maintenant? Bah, c'est mon premier voyage, mais j'ai bien peur que ce soit le dernier. Je suis dans une de ces merdes, alors. Oh, ça m'étonne de toi. Oh non, mais te marre pas, je sais pas ce qu'a mon moulin. Mais alors, il a chauffé anormalement tout l'après-midi. Puis alors, tout à l'heure, à 30 bornes d'ici, il s'est mis à cogner, t'auras entendu ça. Alors, j'ai rangé le bahut sur le parking, et puis je suis venu en stop pour essayer de trouver un dépanneur au téléphone. Dis donc, tu parles un peu italien? Bah, je baragouine, oui. Oh, c'est formidable, alors tu vas pouvoir m'aider. Demain matin, tout ce que tu veux, mais à cette heure-ci, on peut compter sur personne. Ah, mais c'est pas possible, Dupuis. Bon, allez, qu'est-ce que tu bois? Je sais pas, un café... Non, mais je peux pas attendre. Il faut absolument que je sois à Calais avant demain soir. J'ai déjà perdu une journée dans leur foutue douane à Dimitriovgrad parce que des abrutis s'y retrouvaient pas dans mes paperasses. Alors, je peux pas me permettre un nouveau retard. Parce que tu arrives de Bulgarie, là? Ah oui. Avec 8 tonnes de fromage de chèvre pour l'Angleterre. Du fromage de chèvre? Ah oui. Alors si je les charge pas demain sur le ferry, ça, le patron, il est capable de me les faire bouffer. Allez, sois chic Dupuis, quoi. Tire-moi de ce merdier. Mais enfin, quoi, il y a bien un spécialiste poids lourd dans le coin. Il y en a des tas, mais ce soir, tout est fermé. Et alors? Ah oui, mais alors, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Viens, je vais voir ce que je peux faire dans mon bahut. J'ai de quoi m'offrir un atelier de réparation. Hé, 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 la noire, yo. Je serai pas long. Pour 10 000 francs, voulez-vous me dire à quelle heure est arrêtée la pendule qui se trouvait sur le bureau de Napoléon à Hall Longwood le 5 mai 1821 et qui appartient maintenant à son Altesse impériale, le prince Napoléon? L'heure en question est bien entendu celle de la mort de l'empereur. 5h51. Réponse exacte, monsieur Dupuis. Vous avez maintenant à votre crédit la somme de 32 000 francs. Il vous reste encore une question dans cette quatrième épreuve. Vous choisissez... Une question à 10 000. Il va tout perdre. Tu n'auras donc pas pitié de ta malheureuse mère? Vous allez vous taire à la fin. Mais il est de mon devoir de vous rappeler qu'à la moindre défaillance, vous perdrez tous les gains que vous avez accumulés jusqu'ici et qui se montent à la somme de 32 000 francs. Je sais, mais je prends le risque. J'aurais pu devenir ingénieur comme mon frangin, mais j'ai tellement vu ma mère trimer que j'ai pas eu envie qu'elle continue à se sacrifier. Alors je suis rentré comme mécano chez l'armier. Puis un jour, j'ai pris le volant. Et tu regrettes rien? Non. Puis j'avais pas vraiment envie de faire des études. Puis j'ai la belle vie maintenant. Oh, regarde, alors évidemment, comme ça. Tiens. Et puis j'aurai la vie plus belle quand j'aurai mon camion. Oh, la vacherie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et pourquoi? T'as un joint de culasse pété. Oh, merde. Monsieur Dupuis, je répète une dernière fois ma question. De quel surnom avait-on affublé le général Serrurier en 1796 durant la campagne d'Italie? Oh, c'est idiot, je ne m'en souviens plus. Il vous reste 35 secondes pour réveiller votre mémoire, monsieur Dupuis. Quand j'ai parlé de m'établir à mon compte, ouais. Alain a voulu donner toutes ses économies. 3 briques. 3 briques? Ouais. Alors évidemment, j'ai refusé. Alors là, il s'est fâché et il m'a dit, de toute façon, cet argent, je te le destinais. C'est ta part, pour le prix des études que t'as pas faites. Ah ouais, non, des frangins comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Tu parles, surtout que maintenant, ils vont en allonger 5 de mieux. Il veut que j'achète du neuf et pas de l'occasion. Et il va les trouver où? Moi, j'en sais rien. Le con, il serait capable de les emprunter. Ça, je refuse.
Tiens, envoie la sauce, là. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, je me suis pas gouré, hein. Ouais. C'est joint de culasse. Désolé, mais il me faut une réponse immédiatement, monsieur Dupuis. Faute de quoi, et la mort dans l'âme, croyez-le bien, je me verrai dans l'obligation d'effacer de votre crédit cette somme de 32 000 francs. Attendez, oui. La Vierge d'Italie. Oui, la Vierge d'Italie. On avait donné ce surnom à Serrurier en raison de son désintéressement, oui, et de sa bonté vis-à-vis des populations occupées. Ah, eh bien, on peut dire que vous avez eu chaud, et nous, avec vous. Eh bien, vous terminez cette quatrième épreuve avec une somme de 42 000 francs à votre crédit. Bravo, et à demain. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ah, j'ai vraiment très, très peur pour vous, mais vraiment, ça valait la peine. Bravo. Merci. Alors, à demain. À demain. Terminé. C'était OK. Merci. Vous avez été splendide. Merci de nous avoir permis de voir tout ça. C'est impressionnant. Marc et Jean-Louis sont ravis. Si j'osais, je vous inviterais à dîner. Mais j'ai peur que ça ne soit pas très correct. Je pense que l'on doit vous attendre chez vous. Non, on ne nous attend pas. Monsieur Maréchal est en voyage? Il n'y a pas de Monsieur Maréchal. Je suis divorcée depuis 2 ans. Avant que le jour se lève, Fatalitas, tu pourras reprendre la route. Chapeau. T'es tout de même le plus fort. Si j'ai un conseil à te donner, va t'allonger sur ma couchette et tâche de dormir d'ici là. Mais je peux vraiment pas t'aider? Non, ça ira. Quand tu seras patron, si t'as besoin d'un conducteur, tu pourras compter sur moi, Dupuis. Je reprends le service dans 10 minutes. Je pouvais pas laisser tomber Fatalitas. Et moi, tu pouvais. Mais c'est un copain. Et le copain, c'est mieux que la femme. En Italie et en France, les hommes, ils sont tous les mêmes. Mais non, va te laver la faccia et les mani, que sei sporco, che vergogna. Est-ce que je pourrais prendre une douche et piquer un petit roupillon avant de repartir? Si, si, fais comme chez toi. Et alors, après, tu t'en vas, je veux plus te revoir. Jamais, jamais, tu m'entends? Je te déteste. Qu'est-ce que tu mangeras à ton réveil? Des spaghettis ou des scampi fritti? Juste un expresso, il faut que je sois rentré ce soir. Je te reverrai quand? Alors, monsieur Dupuis, pour commencer, vous choisissez une question à dîner. Vous êtes bien sûr? Oui, très bien. Le 15 mars 1806, Napoléon nomma Murat grand-duc de Berre. Lorsque Murat fut nommé roi de Naples, l'empereur administra lui-même le grand-duché par l'intermédiaire d'un commissaire extraordinaire. Quel était son nom? Vous avez bien compris la question, monsieur? Oui, oui, oui. C'était Jacques Beugnot. Vous, monsieur, vous venez de gagner 10 000 francs. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la révolution ou quoi? 2000 francs. Quelle tactique allez-vous adopter, cher monsieur, maintenant? Eh bien, je vais essayer de gagner le plus possible. Madame, c'est votre fils qui arrive d'Athènes. Je reprends une question à 10 000 francs. Vous ne me reconnaissez plus? Vous avez choisi cette tactique. C'est votre droit, monsieur Dupuis. Vous allez me donner le nom de cet ecclésiastique qui, après avoir été nommé aumônier de Napoléon, puis ambassadeur, se retourna contre l'empereur et devint un de ses ennemis les plus acharnés. Je comprends tout maintenant. Il porte un nom très compliqué, cet ecclésiastique. Monseigneur de Riom de Proliac de Four de Prades. Réponse exacte, monsieur Dupuis. Vous gagnez maintenant 72 000 francs.
72 000 francs, monsieur Dupuis, c'est une très belle somme que nos amis téléspectateurs seraient désolés que vous perdiez. Et voyez, ils téléphonent en grand nombre pour vous supplier de jouer désormais la prudence. Et voyez-vous, leurs appels arrivent de partout et il arrive encore d'autres fiches. Alors, monsieur Dupuis. Eh bien, je crois que je vais suivre leur conseil. Une question à 100 francs. Ah ! Qu'est-ce que tu dis de ton frère ? Alors, pour Constantine, formidable. Ma dernière question, elle est bien facile. Comment s'appelle le traité qui mit fin à la troisième coalition et qui fut signé par la France et l'Autriche le 26 décembre 1805 ? Le traité de Tilsit. Vous avez dit traité de Tilsit, monsieur Dupuis. C'est du traité de Prébourg qu'il s'agissait. Oh, je suis désolé, sincèrement désolé, vous venez de perdre tout ce que vous avez gagné. Il ne vous reste que notre estime et notre amitié, soyez-en sûr. Ah, t'es là. Alors, tu sais. Ouais. Honneur vaincu. Il te reste du cognac. Ah. T'as pas l'habitude. Non. Tu sais, ce fric, de toute façon, je l'aurais refusé. Ah ben, j'aurais bien voulu voir ça. Écoute, Alain. Je vais pas vivre toute mon existence à décrocher sous prétexte que tu as fait des études auxquelles moi j'ai renoncé. Je me suis moins sacrifié à la cause familiale que tu ne le crois. J'ai toujours eu envie de bouger, de quitter cette maison de temps en temps. Tu t'y ennuies ? Non, mais par moments le fantôme du capitaine me casse un peu les pieds. Puis sur la route je suis heureux, je m'instruis à ma façon. Ce qui m'empêche pas d'être content quand je reviens ici. En somme, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Tu veux encore un petit coup ? Pourquoi pas. Merci. Alain, tu en as assez fait comme ça pour moi. Alors si tu te représentes à ce jeu télévisé et que tu gagnes, garde l'argent pour toi, t'en auras besoin pour t'installer. M'installer ? Qui te dit que j'ai l'intention de m'installer ? Je me sens très bien ici. Et Josette, je croyais que c'était le grand amour. À propos, avec Ottavia, comment ça marche? Dis donc, en rentrant ce soir, je suis passé devant chez Albouy. Il n'avait pas encore vendu le camion qu'on a vu l'autre semaine. Il me le laisse pour 9 briques, entièrement révisé. Je lui ai laissé un chèque d'acompte. Oh, dis donc, viens voir ça. Arlette joue avec le feu. Si Madame Rose apprend ça, elle va la foutre dehors. Je sais pas ce qui se passe, moi, depuis quelques jours. Le beurre fond à vue d'œil. Le sucre. Le sucre se volatilise. Le chocolat disparaît par plaque entière. Il reste plus une seule bouteille de vin. Je suis quand même pas folle. L'épicier a bien livré mardi, comme d'habitude. Oui, madame. Jean a été absent pendant toute la semaine. C'est quand même pas toi qui as bu tout ce vin et bouffé tout ce chocolat. Si, c'est moi. J'ai des fringales nocturnes. Ah oui. Et cette chemise rayée. Et ce blue jean, et ce tricot de corps, c'est à qui? C'est à moi, je les ai achetés à mon dernier voyage. Ah oui? Eh bien, passe dans la chemise. Écoute, maman, tu vas pas nous faire une... Vas-y, essaie de la mettre. Elle n'a que 3 tailles au-dessous de la tienne. Oui. Arlette. Les clés de ton pavillon.
Les clés de ton pavillon immédiatement. Non. Arlette. Bon, madame, je vais tout vous dire. Là. Laisse-moi passer, Arlette. Allez, tire-toi de là. Tu vas te tirer de là. Oh. Bonjour, messieurs, dames.